Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. On se voit aujourd'hui pour la Lamborghini Murcielago RSV 2010 GTI au M24e proposé par Aoshima. Alors, deuxième vidéo, je vous montre là actuellement les avancées du kit. Donc là, on avait fait l'avant ensemble sur la première vidéo. J'ai fait tout l'arrière du châssis donc de mon côté. Hors caméra. Alors ici cette pièce là centrale je l'ai peinte directement avec du primer noir et puis je suis venu faire un dry brush avec du mat aluminium de chez Tamiya puisque n'importe quoi la notice nous demandait de la peindre en noir tout simplement. Donc j'ai quand même voulu donner un petit peu de couleur, un petit peu de relief à la pièce en passant ce petit dry brush. Après les disques de frein, donc même punition que pour ceux de l'avant. Donc au niveau des couleurs, tout ça, vous avez la description dans la première vidéo. J'ai fait exactement les mêmes peintures, la même chose. Idem pour les amortisseurs. Après, pour la sortie d'échappement, ici, j'ai fait un petit peu de chauffe, puisque c'était une pièce chromée. Donc, j'ai gardé le chrome brut d'origine, brut de grappe plutôt. Et je suis venu donc faire ce petit dry brush donc avec du bleu translucide, du rouge translucide et du jaune translucide. Voilà. Pour la petite chauffe, je suis bien content du résultat. J'aurais peut-être dû accentuer un petit peu plus le rouge et le jaune. Mais bon, après, voilà, pour l'instant, ça me satisfait amplement. Ou alors, j'aurais dû peut-être réduire un petit peu le bleu pour en mettre un peu moins. Enfin, bon, c'est pas grave, ça fait la blague quand même. Après l'intérieur des échappements qui étaient déjà creusés, donc ça c'est bien, j'ai mis du pigment black pour représenter un petit peu la calamine à l'intérieur. Et puis voilà les amis, tout ce que j'ai fait hors caméra. Donc ça fait un bien beau châssis déjà pour commencer. Je trouve bien détaillé, propre. Alors c'est pas une partie que l'on va voir souvent puisque les voitures sont sur les quatre roues dans la vitrine. Mais voilà, je tiens quand même à ce que ce soit propre. Allez, dans cette vidéo, on va s'occuper des quatre roues, les deux arrière, les deux devant, deux larges à l'arrière, deux plus étroites à l'avant. Alors, elles sont noires, brutes de grappe, et on nous demande de les peindre en couleur acier, enfin couleur acier fer. Voilà, donc on va peindre tout ça, et puis on va s'occuper aussi de retirer cette petite ligne de moulage sur les pneus. Voilà, donc ça va être la partie vidéo que l'on va voir tout de suite. De l'instant où j'aurai fini de tripoter ces roues et je serai passé à la phase mise en peinture. Non, avant, il faut quand même préparer un petit peu les amis. Sinon, on ne peut pas peindre tout de suite comme ça. Donc, je prends les petites pinces qui vont bien. Je prépare tout ça sur des bâtonnets afin de pouvoir faire ça plus facilement. Voilà, c'est peut-être mieux si on agrandit un petit peu le champ, Thierry, on verra un peu plus ce que tu fais. Bonne réaction, mais un peu tardive. Voilà, on va passer à la caméra. Alors je vous ai à la caméra, à la partie peinture. Donc je vous ai passé tout ça en accéléré, pour pas que ce soit trop long. Il y a quand même 4 jantes à peindre. Alors j'aime bien peindre aussi l'extérieur de la jante, je ne sais pas si vous avez vu, je préfère que tout soit bien peint, malgré qu'il y ait le pneu après par-dessus, donc théoriquement c'est caché. Mais je préfère que si jamais le pneu rentre un peu plus ou autre, on ne voit pas une différence de couleur. Donc vous avez vu en médaillon, hein, j'ai utilisé la peinture de chez AK Interactive, Extreme Color Metal, donc le style, et qui a un super rendu,
C'est vraiment une, ça fait vraiment une belle couleur acier. Voilà, peinture sèche, terminée. Je vais vous montrer le résultat de plus près. Vous allez pouvoir vous rendre compte de la qualité de peinture extrême métal. Ça fait vraiment une super couleur acier. Donc il va falloir maintenant peindre les écrous centraux. Et puis encore une fois, je vous montre les pneus, retirer la petite ligne de moulage de ces pneus. Donc on va s'occuper de la ligne de moulage des pneus. Donc pour ça, je prends une vieille jante que j'avais d'un autre kit. Il a un petit éton, donc cette jante a un petit éton. Donc il suffit de prendre le bon outil avec ou une Dremel ou la Parkside, enfin peu importe, hein, avec un outillage de perceuse miniature. Et comme ça, vous pincez le petit éton à l'intérieur et la jante peut tourner avec le pneu. Il suffit après de gratter avec du papier 400 pour retirer la ligne de moulage. Voilà, je prends du papier 400, hein, vous voyez. Je vais en couper une petite bande. Voilà, on vient frotter, donc là la jante nous fait ressortir les deux extérieurs, donc je vais venir un petit peu, malheureusement encore une fois hors cadre, voilà, je vais vous le faire là, venir poncer que le milieu, sinon je vais faire je vais déformer le pneu, donc le but n'étant pas de le déformer quand même. Alors faut pas trop tourner vite non plus parce que sinon vous allez brûler la gomme. Mais il faut le faire un petit peu quand même pour. Ça fait après un effet, vous allez voir une fois terminé, ça fait un effet pneu usé ou qui a vraiment pris cher sur l'asphalte. Et ça fait vraiment très réaliste. Bien nettoyer les petits morceaux de gomme qui vont rester collés un petit peu. Voilà, si la mise au point se fait, voilà. Voilà, vous voyez, ça fait un pneu ben qui a roulé sur l'asphalte et qui a morflé sur un circuit, tout simplement. Voilà, ça fait beaucoup plus réaliste. Alors, j'ai fait un pneu, j'ai pas fait les quatre. Je vous prie de m'excuser. C'était pas la peine que vous voyez quatre fois la même chose. Je vous ai montré comment faire sur un. Et là, on va peindre donc l'écrou central en couleur or, comme la notice le demande. J'essaye de rester un peu raccord avec la notice. Donc là, il ne faut pas trembler, sinon on en fout partout.
Alors au final, dans la vidéo, là, je le fais pas. Je l'ai fait après hors caméra. Mais bon, je passerai du panel line à l'intérieur pour donner un petit peu plus de jeu d'ombre. Pour que ça fasse un petit peu plus réaliste, tout simplement. Hein. Sinon, ça fait après des peintures à plat et je veux dire, c'est pas vivant. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc c'est pas long pour peindre les écrous. Donc là, j'en ai fait un et les trois autres, je les fais hors caméra, bien sûr, aussi. J'ai posé les décalques sur les pneus. Je vais en faire un devant vous. Alors, ce sont des décalques qui sont assez, assez durs. Ils ont du mal à s'assouplir. Voilà, donc il y en a pas mal à mettre sur la carreau. J'ai peur de batailler avec ça. L'assouplissant de la même marque, là, le Mister Hobby, je crois, c'est, a du mal à les assouplir. Il a fallu que je prenne du Micro 7, qui est beaucoup plus assouplissant que le premier. Bon, c'est bien parce qu'ils sont durs à assouplir, mais ils sont costauds aussi, hein, donc on risque pas trop de les abîmer. Ça, c'est un plus par contre. Il faudra voir ce que ça donne après avec la carreau. Voilà, là, je retire un petit peu tout le produit que j'ai mis pour faciliter la pose en dessous. J'essaye de retirer quelques bulles d'air avant de le positionner bien comme il faut avant de passer le Micro 7. Donc là, faut jouer avec le Micro 7 et le sèche-cheveux, il n'y a pas d'autre solution. Donc faut attendre que le Micro 7 agisse, passer un coup de sèche-cheveux et ainsi de suite. Voilà, c'est le Mark Softer que j'avais pris donc sur les trois premiers et c'est très dur à assouplir. Alors par contre là je prends le Microsol, qui est quand même plus assouplissant que le Mark Softer. Voilà, le pneu est assez galbé, hein, donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à lui faire obtenir la forme du pneu. Le pneu est assez galbé sur les côtés. Voilà, à la fin on y arrive, hein. Vous inquiétez pas, si vous faites ce kit, on y arrive, c'est pas un problème, il faut juste être patient et ne pas vouloir faire en sorte qu'il prenne la forme tout de suite, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Voilà, on remet un petit coup de Micro 7. C'était le dernier, donc je referme la petite gomme mie de pain en dessous pour éviter de le renverser sur l'atelier. Ça, c'était Didier Felouz qui nous avait donné cette combine et je l'applique depuis que j'ai vu sa vidéo.
Je l'en remercie encore, parce que c'est vrai que c'est une protection renversée du microsol. Bon, celui-là, il est presque vide de peau, donc ça n'aurait pas été un problème, mais quand il est neuf, c'est un peu plus problématique. Donc vous mettez ou de la pâte à fixe, hein, peu importe. Moi, je prends de la mie de pain, mais vous prenez de la pâte à fixe, vous mettez ça en dessous le pot et on ne peut plus le renverser. Hormis d'y mettre un grand coup de poing, bien sûr, mais à ce moment-là, il faut faire exprès. Voilà, donc on est arrivé au bout de l'assouplissement, vous voyez. Là maintenant, il a bien pris la forme du pneu. Donc on va pouvoir laisser sécher pour après venir passer un petit coup de vernis satiné sur le flanc du pneu. Voilà, je vous montre les quatre roues terminées. C'est pas mal, ça fait joli. Ce petit décalque Michelin. Voilà, donc là je vous montre une fois le vernis satiné passé sur les côtés, sur les flancs. Bon, ça protège un petit peu le décalque et puis ça redonne un petit peu une uniformité sur les flancs. Que le produit aurait un peu altéré ou le ponçage aussi aurait un peu altéré. Ça fait toujours plus propre. Et après, on va enfin mettre les roues sur le châssis afin qu'il soit sur ses quatre roues et puis la vidéo sera terminée. Alors là, rien de bien compliqué, hein. Il n'y a pas de souci majeur non plus, hein. On met le petit pipion à l'intérieur de la jante et après on vient mettre ça sur l'axe. Voilà, ça rentre tout seul, ça se passe très bien. Là, j'insiste, mais j'aurais dû ébavurer un petit peu le petit pipion. J'insiste grossièrement, mais si j'avais retiré la petite bavure, le résidu de drape, j'aurais pas eu de problème. Mais bon, des fois, je suis un peu têtu et je me crée des problèmes tout seul. Bon, le résultat est quand même bon, c'est pas un problème ça. Je vérifie si les roues tournent bien, mais bon, c'est pas des voitures que l'on s'amuse sur à faire rouler par terre, donc c'est pas grave si ça frotte un peu, si ça tourne pas bien les roues, c'est pas grave. Voilà, le travail terminé les amis. Bien, écoutez, je vais vous laisser avec un petit slideshow du boulot effectué depuis le début du kit de ce montage. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est sympa d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Ah, vous voyez, c'est un petit peu bancal. J'ai une roue qui est un peu de travers, donc il faut bien vérifier ça. Une roue qui est un peu de travers, il faut la redresser. Et après, ça sera beaucoup moins bancal. Voilà, donc comme je vous disais, merci d'être passé par là. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Lamborghini Murcielago RSV 2010. Les amis, bye bye, à plus, ciao.